Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie, dans la série de vidéos Paroles de conseiller. Je crois que c'est la sixième interview de conseiller immobilier sur la chaîne. J'avais prévenu lors de la dernière vidéo que j'avais féminisé le rendez-vous. Donc, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on est avec Karine Botin que je vais laisser se présenter dans 2-3 minutes. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, mes trois conseils pour multiplier par deux votre rentrée de mandat exclusif et dont le lien se trouve en descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler prospection, bien évidemment, comme toujours, mais par un angle particulier qui est à la fois l'angle des réseaux sociaux et en plus l'angle de la vidéo, parce que Karine excelle dans le domaine et donc je l'ai fait venir exprès pour ça. Mais avant toute chose, Karine, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Sébastien. Oui, je vais me présenter. Alors moi, je suis conseillère immobilier sur le Calaisis, sur Calais. Ok. C'est la région de Calais. Pour le réseau propriétéprivé.com. Ok. Donc voilà, moi, je ne viens pas du tout de l'immobilier. Hein. À la base, j'étais vendeuse de chaussures haut de gamme. Et c'est une reconversion totale. En fait, ça fait 2 ans que je suis chez propriété privée. Et ça fait 4 ans que je fais de l'immobilier. En fait, j'ai fait de l'immobilier pendant 2 ans avec une amie qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses en prospection, etc., en visite. Et je me suis lancée. Je me suis lancée. J'ai adoré. Je me suis lancée. Donc, c'était un challenge hein, parce que j'étais en CDI et ça n'a pas été facile de prendre la décision. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas et je me dis j'aurais dû me lancer bien avant. Donc, un passé professionnel plutôt dans la vente, plutôt dans la vente en boutique, donc plutôt dans une logique, j'allais dire, de réception de prospects d'une certaine manière, hein, dans l'attente du client, hein, plus que dans une prospection active comme on peut la connaître dans le métier. Et donc, avant de travailler en tant que mandataire, 2 ans avec une amie en agence. Elle était en agence et après elle était mandataire. Moi, D'accord. j'allais avec elle de temps en temps. Hein. C'était réellement du métier de vendeuse. Donc, vraiment dans une logique d'apprentissage, en fait, hein. Oui, elle a 20, plus de 20 ans de métier et donc voilà, c'était plus pour la prospection terrain et les visites. Donc, le grand saut depuis vraiment 2 ans. Il y a un bon 2 ans, mais depuis. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à l'immobilier? En fait, j'ai toujours aimé. Et mon amie, elle me dit, mais Karine, c'est fait un métier fait pour toi. Et vas-y, lance-toi, lance-toi. Alors, je lui dis, bah, écoute, non, voilà, je suis bien comme ça. Je veux bien regarder, je veux bien apprendre. Mais me lancer, ça va être compliqué. Et en fin de compte, en allant sur le terrain, je me suis aperçue que c'est ce que je voulais faire. Et donc, je me suis lancée. Et je me suis lancée. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as vu et qui a fait que tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Mais en fait, j'ai aimé tout de suite. J'ai aimé tout de suite. Je ne me suis pas réellement posé une question en me disant est-ce que ce métier va être difficile? Est-ce que ceci, est-ce que ça? Je ne me suis pas réellement posé de question. J'ai aimé tout de suite et je me suis lancée. Voilà. Je ne me suis pas posé de question réellement. C'est bizarre, hein, mais voilà. Non, mais il vaut mieux, tu sais, parfois, il vaut mieux pas se poser trop de questions. C'est souvent pas plus mal, surtout quand on se lance dans ce métier-là. Mais je pose toujours la question parce que pour avoir recruté des dizaines de conseillers, tu as les gens qui disent, moi, je suis venu parce que j'adore les belles pierres. Tu as ceux qui te disent, moi, je suis venu parce que j'aime les gens sur la notion d'accompagner des projets de vie. Tu as des gens qui disent, bah, moi, je sentais que je pouvais détecter quel serait le bien immobilier parfait pour les gens, etc., qui est parfois une vision un peu tronqué de ce qu'est la réalité de notre métier, d'ailleurs, hein, qu'on voit beaucoup à la télé. Je m'inquiète toujours beaucoup de ça parce qu'il y a une vraie dimension prospection dans le métier dont les gens n'ont pas toujours conscience. Ça m'amène du coup à notre sujet de la prospection. Quand tu as accompagné donc cette amie pendant quelques temps, tu as vu ce qu'était la dimension prospection du métier, quels aspects de la prospection? Alors, la prospection terrain, c'était vraiment du tap-tap, hein, en dur, quoi. OK. Donc, on allait souvent, enfin, moi, j'allais plus que moi, mais moi, j'y allais au moins 2, 3 fois par semaine, quelques heures par semaine. Mais ça ne m'a pas déplu, en fait. J'ai été à l'aise avec ça. Ça ne me déplaît pas, la prospection ne me déplaît pas du tout.
Tu avais des craintes par rapport à ça au début ou J'avais des craintes pour aborder les gens. J'étais assez à l'aise en boutique, mais voilà, c'est une autre démarche hein, totalement. C'est là, les gens viennent en boutique, là, c'est toi qui vas vers les gens. Donc, j'avais cette crainte, mais en fait, la crainte s'est envolée assez rapidement. Et je me suis sentie à l'aise et on a toujours été très bien accueillis. Donc, ouais, je trouve que les gens accueillent toujours bien. Donc, voilà, c'est assez naturel et j'avais un peu peur de ça, d'être mal accueillie par les gens, puisqu'on va chez eux, hein, on tape à leur porte. Voilà, là, la crainte s'est envolée assez rapidement. Et c'est vrai que le métier me plaît également pour tout ça, en fait, pour l'aspect d'aider les gens, l'empathie. Moi, j'ai beaucoup, je pense avoir pas mal d'empathie envers les gens, et il en faut de toute façon dans le métier. Et voilà, après, bon, ça a été naturel, en fait. Ok, donc on est aussi là pour une raison très particulière, c'est que donc tu me dis que tu as exercé la prospection dans le sens le plus traditionnel du terme. Prospection téléphonique aussi? Non. Jamais. Jamais. Non, ça non. Ça, c'était une grande première quand je me suis lancée seule, en fait, hein, avec propriété privée, c'était une grande première. Et alors? C'est pas ce que j'aime le plus. D'ailleurs, je ne le fais plus du tout. Alors, c'est intéressant. Donc, tu l'as fait? Je l'ai fait. Tu l'avais plus? En fait, j'envoie des SMS maintenant. Ok. On pourra en deuxième ou troisième contact, mais en premier contact, je ne fais plus du tout. Ok. On pourra éventuellement en reparler parce que ça fait partie des stratégies que j'enseigne sur la prospection par SMS, etc. Mais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que donc tu as expérimenté la prospection terrain, tu as expérimenté la prospection téléphonique. Il y a des choses qui t'ont plu, des choses qui t'ont moins plu. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné, et c'est pour ça qu'on est là, tu as décidé aussi de te rendre visible sur les réseaux sociaux? Pour me démarquer, parce que j'habite Calais, c'est une ville de 80 000 habitants hein, à peu près, et donc une ville, beaucoup d'agences, beaucoup de mandataires. Et je voulais absolument me démarquer de toutes ces agences. Donc, j'ai fait un peu le tour de leur Facebook, parce que j'étais déjà sur Facebook, mais pour un compte privé. J'étais déjà assez, j'étais assez présente sur Facebook. Et donc, j'ai regardé un peu leur compte et je me suis dit, bah, tiens, il n'y a pas de vidéo. Donc, ça a été tout de suite, en fait, la vidéo, ça a été tout de suite pour moi primordial. Je me suis inspirée des youtubeurs, hein, parce que j'ai mon fils qui à un moment donné, faisait des vidéos de jeux sur YouTube. Donc, je me suis inspirée de lui, en fait. Pourquoi pas faire des vidéos. Alors, ça, c'est intéressant. Je te coupe, pardon. Donc, tout de suite, tu t'es dit… j'ai besoin de me démarquer. Donc ça, c'est une super démarche. J'invite effectivement chaque conseiller à se poser la question de savoir comment opère ma concurrence en matière de prospection, en matière de communication, etc., pour essayer de faire des choses différentes. Parce que on a un vrai retour de la part de nos clients vendeurs qui sont, vous dites toute la même chose, tous pareils, etc., etc. Donc, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la première des choses et c'est super de ce point de vue-là. Si vous voyez passer mon chat, il y a mon chat qui va passer, comme d'habitude. C'est probablement le chat le plus célèbre de l'immobilier français, du coup, parce qu'il y avait ça à chaque fois. Donc, cette logique de vouloir se démarcher, génial. Et ensuite, de se dire, les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Mais tout de suite, et c'est vraiment important, parce que je voulais te poser la question, ça a été tout de suite la vidéo. Ça n'a pas été, j'ai expérimenté les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité avec la vidéo. Ça a tout de suite été les vidéos. Alors, je ne savais pas que c'était de famille, du coup, mais ça explique aussi certaines choses. Mais donc, tout de suite, la vidéo. Oui, tout de suite. Ça a été... Alors, ça a été quoi tes premières actions sur la vidéo, sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de ton activité? Alors, ça a été tout de suite une vidéo de visite de biens que j'en vente. D'accord. Et je voulais vraiment, parce que ça existait déjà, mais je voulais faire à ma façon. Donc, me présenter, comme je fais les vidéos, hein, je présente le bien et ensuite, je fais un résumé de ce bien. Donc, des vidéos qui durent à peu près, je pense au début, pas la première, ça durait 4 minutes. Enfin, la toute première, c'était une vidéo je me suis présentée. C'était ça, la toute première vidéo. Je me suis présentée en étant un conseiller immobilier sur Calaisie. Et ensuite, j'ai fait les vidéos de visite de biens. D'accord. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit fleurir donc, de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est important et on en reparlera tout à l'heure. Beaucoup
ont pris le pli de la vidéo de visite de biens, donc soit avec des outils qui existent, il n'y a pas beaucoup de startups qui ont développé des technologies, etc., soit en le faisant eux-mêmes. Donc, toi, il me semble que tu as pris parti vraiment de vouloir le produire toi-même, etc., sans passer par des outils. Mais avant toute chose, tu as commencé par te présenter. Donc, tout de suite, tu as eu ce réflexe de dire « il faut que les gens me voient moi, finalement, avant de voir le bien ». Voilà, me voit pour donner un aspect familial, en fait. Les gens puissent me regarder via les réseaux sociaux, puissent me connaître. Parce que bon, ma page aussi Facebook, je n'ai pas que de l'immobilier sur ma page, qui est important aussi, je trouve. Alors, là encore plusieurs choses. Donc, nouveaux clients vendeurs recherchent confiance et professionnalisme. Oui. Donc, la vidéo est probablement le meilleur levier possible pour générer à la fois la confiance, parce que les gens nous voient, les gens nous entendent, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par l'image et notamment par la vidéo, donc la confiance et le professionnalisme, parce que tu vas démontrer ton travail, donner à voir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, avec quelle implication tu le fais pour tes clients, parce que les vidéos sont de qualité, etc. De professionnalisme par la qualité de production des vidéos aussi. Je ne pense pas trop avoir de secret, j'invite les gens à aller te retrouver sur les réseaux sociaux, qu'il y a une vraie recherche de travail quasi professionnel sur la vidéo. Ça, là aussi, tout de suite, ça a été une volonté de ta part ? Ça a été tout de suite. Parce que, ça a été tout de suite. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que ça soit de qualité. S'il faut une vidéo, il faut vraiment que ça soit de qualité. Si on se présente, ça peut être de qualité. Autrement, ça peut vite vous desservir. C'est quoi qui t'a fait… parce qu'il y a… On entend un peu tout et son contraire sur le sujet. Parce qu'on entend beaucoup… que nos audiences ont besoin aussi d'authenticité, ils ont besoin de parfois que les choses soient imparfaites aussi, parce que c'est plus naturel, c'est plus vrai, etc. Je cache pas que les dernières vidéos sur ma chaîne YouTube sont maintenant des vidéos qui sont prises en extérieur avec un peu de matériel, mais avec un smartphone, etc. Donc en essayant d'être le plus naturel possible. Toi, tu as toujours eu ce truc de dire il faut que ce soit très qualitatif. C'est un trait de ta personnalité ou c'est lié vraiment à l'activité en elle-même? Moi, je veux faire des choses de qualité, mais tu peux faire des choses de qualité avec un smartphone. Après, il y a différents formats de vidéos. Maintenant, je fais différents formats de vidéos. Je fais des vidéos en direct. Et forcément, c'est moins travaillé. C'est beaucoup plus naturel. C'est un peu plus naturel, mais ça peut être de qualité également. Du coup, raconte-nous maintenant sur ta page Facebook, il y a des rendez-vous réguliers, enfin, tu as une espèce de planning, il y a quelque chose, Non, je n'ai pas de planning, tout dépend du temps en fait. J'essaye quand même de poster une vidéo, une à deux vidéos par mois, parce que j'ai différents formats de vidéos. Alors voilà, explique-nous quels sont tes différents formats. Alors j'ai la vidéo de présentation, je me présente, j'ai refait une vidéo il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Donc, celle-là, elle est en bannière de ta page Facebook ? C'est ça, okay. Elle est en bannière de ma page Facebook. Ensuite, je fais des vidéos de présentation de biens que j'en vente. Okay. C'est un peu plus travaillé avec un studio, enfin le studio que j'ai ici. Mais il n'y a pas grand-chose en matériel. En matériel, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a du montage. Il y a du montage. Le plus long, c'est le montage. Ok, donc tu tournes le bien, tu tournes En rentrant le mandat, je filme ça avec mon appareil photo ou avec mon smartphone, et ensuite je le monte ici à la maison avec un logiciel de montage. Et tu mets ta voix dessus ? Oui. Tu commentes la visite ? Je commente la visite. Voilà. Et du coup, je m'arrête sur ce format. Donc, c'est diffusé sur tes réseaux sociaux. C'est aussi une vidéo que tu envoies aux potentiels acquéreurs ou pas ? Non. Elle est que sur les réseaux sociaux ? Que sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et là, j'ai commencé à tester, YouTube, mais c'est assez compliqué. Hein. C'est plus long. C'est plus long. Puis, je ne suis pas beaucoup, en fait. À chaque fois que je poste une vidéo sur Facebook, je mets sur YouTube. Mais YouTube, c'est encore différent de réseaux sociaux. Hein. Ok. Donc, le format visite des biens, autre format. Après, je fais format de conseils, hein. Donc des formats très rapides de 30 secondes. 30 secondes à une minute, j'essaie vraiment de faire 30 secondes. Tout ce qui a trait à l'immobilier, hein.
quelques conseils. OK. Et puis ensuite des vidéos en direct quand je vais en prospection, quand je vais pour une signature compromis, un acte, voilà, vidéo très courte aussi, hein, de 20 secondes, 15-20 secondes, très très courte. Donc Donc, essentiellement, vidéo des biens, vidéo de conseils, live au quotidien. Ça, c'est essentiellement le format que tu as. Je te présente les biens que j'ai en vente, mais rapidement, les des terrains, etc. L'avancée des parcelles vendues. Enfin, voilà, différentes manières de présenter mon métier, en fait. C'est une belle illustration de ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, parce que je dis toujours qu'il y a trois grands piliers, voire quatre, dans la production de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a tout ce qui est lié effectivement bien à la vente ou au vendu, même si ça ne doit pas représenter, de mon point de vue, plus d'un quart de sa communication sur les réseaux sociaux, parce que les portails font ça bien aussi dans leur domaine. Il y a la production de contenu de conseil, donc l'apport de valeur, ça c'est capital. Donc c'est vraiment d'apporter de la valeur à son marché, apporter de la valeur à son audience, donner des conseils, des astuces sur la vente, sur l'acquisition, sur voilà. Donc ça c'est très important et ça tu l'as bien saisi aussi. Il y a tout ce qui va être l'envers du décor, donc vraiment un peu le côté vie ma vie de conseiller immobilier, hein. Donc ça aussi tu le fais à travers de tes lives pour démontrer ben, ton quotidien, etc. Parce que ça aussi les gens ont besoin de savoir comment ça marche, comment tu t'y prends, etc. C'est rassurant pour eux, donc ça c'est important. Et puis, est-ce qu'il y a également des contenus de ton côté sur la promotion de la vie locale ou pas encore? Pas encore, mais là j'ai un projet de promotion de ma ville. Donc j'ai un projet là-dessus de vidéo. Alors bon, ça prend du temps, donc c'est pour ça là, en ce moment, il y a des périodes où on a moins le temps. Mais c'est vrai que c'est un projet que j'ai de valoriser ma ville. C'est un pilier qui est capital aussi, hein, c'est de démontrer qu'on est des acteurs d'hyper proximité, hein. Les gens veulent des experts d'hyper proximité, donc il y a cette notion de proximité qui est importante, d'implantation locale, de démontrer qu'on aime les territoires sur lesquels on opère, parce que ça aussi, ça va attirer les prospects. Et là, moi, je fais avec des photos, hein, parce que j'adore la photo. Donc là, je fais actuellement avec des photos. Je prends de ma ville, hein, de la plage, etc., de toute la ville. Mais le projet étant de le faire en vidéo. Ok. Et de manière très concrète, tout Oui. ça te prend à peu près combien de temps dans une semaine en Dans une moyenne? semaine, ça me prend. Alors, je vais compter avec ma page, hein, pour organiser tout ce qui est ma page Facebook. Ça me prend une bonne heure. Non. Alors, pour ma page, ça prend 1 heure. Mais les vidéos, je les fais le week-end, en fait. Je les monte ce week-end. Donc, au départ, ça me prenait beaucoup de temps. Ça me prenait tout un dimanche. Entre, bon, filmer, c'était filmer, mais entre me présenter, monter le studio, faire les voix, etc., ça me prenait tout un dimanche. Maintenant, ça me prend 3-4 heures en tout et pour tout. Que la vidéo, que le montage vidéo. Après, tout le reste, ça me prend au moins 1 heure par jour. Donc, ton activité sur les réseaux sociaux t'occupe à peu près 1 heure par jour et ensuite à peu près une demi-journée par semaine pour tout ce qui va être vidéo, Ça. montage de vidéo, etc. Oui. Donc, ce n'est pas tant que ça finalement. Non, 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 non. Mais ça te permet de diffuser quasiment 2 à 3 contenus par semaine sans problème sur les réseaux sociaux. Oui, j'essaie de diffuser tous les jours sur les réseaux sociaux, de faire une publication tous les jours. Alors, quel autre type de publication tu fais en plus des vidéos du coup? Alors, je mets des citations, je fais des petites recettes de cuisine, donc ça que je publie le dimanche. Je fais des petits jeux aussi, je publie dimanche, hein, c'est plus le dimanche pour la petite détente. Après, j'ai un calendrier avec toutes les fêtes, le 1er mai, enfin, la fête des mères. Et tu fais un peu de montage généralement, c'est ça? Tu fais un petit visuel sympa? Toujours le même visuel. J'essaie de trouver toujours un petit, oui, un visuel sympa et toujours avoir le même visuel. On puisse me reconnaître tout de suite, on puisse se dire, bah, tiens, ça c'est Karine. Voilà. Donc, il y a une vraie recherche, je te suis de longue date, il y a une vraie recherche sur l'identité de marque, Oui, hein, sur important ça. le branding, comme on dit maintenant. Hein, c'est-à-dire que, voilà, comme tu viens de dire, hein, qu'on puisse t'identifier immédiatement et savoir que c'est toi avec ta patte. Ça, c'est venu un peu plus tard? C'est venu pratiquement en même temps que la vidéo. La vidéo, ça fait maintenant une grosse, grosse année. Hein, ça doit faire 15 mois que je me suis mise. Et le personal branding, c'est pareil.
Ça a été en même temps. C'est quelque chose que tu as appris? Alors, j'ai beaucoup regardé les tutos, beaucoup, beaucoup. Je me suis beaucoup informée sur les tutos. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Alors, du coup, avec une grosse année de recul, est-ce que tu es capable de quantifier à peu près le retour que ça génère pour toi d'un point de vue très concret, en chiffre d'affaires, en rendez-vous, sans donner des chiffres, mais en pourcentage de ton activité, les réseaux sociaux, ça t'amène quoi en fait? Ça m'amène pratiquement la moitié, je veux dire plus de la moitié de rendez-vous visite. D'accord. Et une bonne moitié de prospects vendeurs. D'accord. Donc, en tout et pour tout, la moitié de ton business provient aujourd'hui des réseaux sociaux. Et c'est intéressant parce que du coup, tu as réussi à mettre en place une stratégie qui a attiré à la fois vendeurs et acquéreurs. Oui. Parce que, et ça, c'est un vrai. J'ai envie qu'on le creuse parce que j'ai mes a priori aussi. Tu attires beaucoup d'acquéreurs sur les vidéos des bilans, te permettent d'attirer des acquéreurs sur Facebook. Oui, j'ai des demandes de visite par rapport à ce que je poste sur Facebook, par rapport à mes vidéos. Et, mais les gens, ils arrivent comment? Est-ce qu'ils sont déjà abonnés à ta page? Est-ce qu'ils sont tagués par d'autres gens? Explique-nous. Alors, je partage, hein, moi sur des sites des sites de vente de ma région. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de sites de vente sur Facebook. Hein, j'en ai une vingtaine. Et je partage donc ma vidéo sur tous ces sites. Et sur Marketplace aussi. C'est important. Et ça, les gens vont dans la Marketplace de Facebook pour regarder les biens? Oui. En fait, ça arrive sur leur page. Hein, ça arrive quand sur les groupes, ça arrive directement sur leur page, sur leur fil d'actualité. Et j'ai des tags, j'ai des demandes via tous ces passerelles en fait par rapport à Facebook. Super. Donc à peu près la moitié de ton business, l'autre moitié. L'autre moitié, c'est mon réseau. Enfin, peut-être pas la moitié, mais on va dire une petite moitié, c'est mon réseau. Hop, mon réseau que j'ai sur la région, sur mon secteur. Là, du coup, c'est un réseau qui est historique d'avant ton entrée dans la profession ou qui a vraiment été développé depuis que tu t'es lancé? C'est avant la profession et forcément que j'ai développé quand je me suis installée en tant que mandataire indépendant sur Calais. Tu passes du temps dehors? Et je passe du temps dehors. Je passe du temps, mais ça dépend des périodes. Je pose la question parce que quand on est mandataire et qu'on travaille de chez soi, on peut avoir cette tendance aussi à vite procrastiner, rester à la maison, etc. C'est pour ça que je pose la question. Les réseaux sociaux, à toi, t'amènent beaucoup de business. Bon, le risque, c'est d'y passer du temps pour pas grand-chose et de ne pas être dehors à aller rencontrer des gens. C'est pour ça que je pose la question. Alors, je passe plus de temps sur ma communication réseaux sociaux que dehors. Prospection dehors. Mais je passe quand même du temps dehors. Okay. J'ai réduit ma prospection. Je me concentre sur ce que je veux. Mais je passe aussi du temps dehors en prospection, forcément. Quand on entend le nombre de conseillers immobiliers aujourd'hui qui se disent… j'ai compris que les réseaux sociaux, c'était un vrai sujet. Je perçois qu'il y a un intérêt, mais je vois pas bien à quoi ça sert. Il y en a qui disent encore, je vois pas bien à quoi ça sert. Il y en a qui disent, ça marche pas. Qu'est-ce que tu pourrais, et on terminera sûrement là-dessus, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est déjà d'avoir une page Facebook. Pas qu'un compte, faut avoir une page Facebook. Et parce que j'entends aussi beaucoup, ça ne sert à rien une page Facebook, un compte. Mais non, une page, ça sert à avoir les statistiques, ça sert à avoir plein de choses qu'on ne peut pas avoir sur le compte. Ça sert à booster aussi les publications, ce que je fais de temps en temps, je ne fais pas tout le temps. Donc, en fin de compte, les réseaux sociaux, pour moi, c'est gratuit, c'est de la prospection gratuite. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est gratuit. On est en train de parler d'un outil qui est gratuit. Voilà. Et maintenant, de toute façon, les jeunes sont réseaux sociaux. Hein, et j'essaye d'être dans plusieurs réseaux sociaux. Parce que Facebook, je sais que les jeunes maintenant sont plus attirés vers Instagram, Snapchat. Okay.
Snapchat, c'est un peu plus compliqué, mais Instagram, j'y suis aussi. Okay. Il faut être tous les jours. Tous les jours, poster un petit quelque chose, vous montrer, ne pas poster que de l'immobilier, parce que je vois beaucoup, beaucoup de pages où c'est que de l'immobilier. Et les gens se lassent. Hein, les gens se lassent. Vos abonnés, ils aiment ce que vous faites, l'immobilier, mais bon… ils aiment aussi voir votre vie, voir ce qui se passe, pas tout montrer forcément, mais des petites citations que je fais, des petites recettes, la ville, pas que d'immobilier surtout. Est-ce que tu as une idée de la proportion entre l'immobilier et le reste ? Franchement, non, je ne fais pas. Je pense que pour ma part, je mets moitié-moitié. Je pense que ça serait un peu mieux d'immobilier, je pense. Mais je fais moitié-moitié là. Moi, j'ai une règle que j'essaye d'appliquer et que je propose aussi aux conseillers souvent d'appliquer. C'est à peu près 20% de contenu qui peut s'apparenter comme étant du contenu promotionnel et 80% qui soit du contenu éducatif ou divertissant. Oui. Il faut se montrer. Et c'est là où les gens ne comprennent pas la nuance, c'est que se montrer sur les réseaux sociaux, ça n'est pas… faire son autopromotion, forcément, c'est démontrer qui on est, donner confiance aux gens et leur apporter de la valeur, tout en se montrant, parce que ben, c'est nous et on est ce qu'on est. Et puis, il y a un moment où il va bien falloir qu'on rencontre les gens en chair et en os de toute façon. Donc, les gens ont besoin de nous voir, mais les gens n'ont pas envie de nous entendre parler de nous. Oui, puis c'est une communauté, donc c'est aussi c'est notre communauté, c'est nos abonnés. Donc, ils n'ont pas forcément non plus envie que de voir que le côté professionnel et puis… de toute façon, j'ai toujours des super retours sur ce que je fais, sur mes vidéos. Je suis très, très contente. Très contente. Et puis, je pense que notre page Facebook doit vous représenter. Voilà. Je crois que c'est le principal. Ça doit vous ressembler et c'est ça. C'est important que les gens ne soient pas… c'est important que les gens ne soient pas déçus quand ils nous rencontrent et qu'il n'y ait pas une distorsion entre ce qu'on a démontré en amont et ce qu'on est une fois qu'on nous rencontre. Sinon, les gens ont l'impression d'être floués d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Mais il faut utiliser les vidéos, même les vidéos en direct, même si vous vous plantez, c'est pas grave, on recommande. Moi, des fois, ça m'arrive d'enregistrer du direct parce que je trouve dommage de faire des vidéos et que ça ne soit pas en direct. Parce que tu le sais, le Facebook privilégie le direct, privilégie les vidéos, mais encore plus les vidéos en direct. Donc, c'est dommage de faire des vidéos, de s'enregistrer et de poster. Autant le faire en direct et si vous plantez, vous supprimez, vous recommencez et puis c'est pas grave. Les gens effectivement ont tendance à se dire le direct c'est un peu sans filet. Oui. Et ça m'est arrivé aussi de merder sur live. Oui. Et effectivement, alors il y a potentiellement les 1,3 personnes qui t'ont vu merder. Et après le reste, tu la diffuses pas et puis c'est pas très grave. Tu peux recommencer. Et puis si on se trompe, on bafouille le nombre de vidéos. Des fois même quand je tape je corrige les sous-titres de mes vidéos, je m'aperçois que j'ai répété 10 fois la même chose en 3 minutes de vidéo. C'est comme ça, et les gens apprécient aussi que ce soit fait de la manière la plus naturelle possible. C'est ça qui instaure aussi cette bien confiance. Moi, je fais beaucoup, je fais attention que c'est au cadrage surtout, parce que on peut se planter aussi, on peut bafouiller, mais bon, ça c'est pas trop grave. Après, le cadrage, je trouve que c'est important et l'esthétique, oui, c'est important. Merci beaucoup, Karine, pour ce super moment. Merci pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces 20 ou 30 minutes qu'on vient de passer ensemble. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce que fait Karine, allez vraiment voir. C'est Karine Botin, BOTIN, chez Propriété Privée. Vous la trouverez sans aucun problème. Et puis comme ça vous donnera l'occasion de voir ce que Karine fait sur la vidéo, sur les visuels, un peu comment la page est animée. C'est important, je crois, aussi d'aller regarder, alors, pas de copier, mais de modéliser, c'est-à-dire de regarder, de dire « Ah, ok, elle a fait ça », d'aller vraiment chercher dans le détail quelle était l'idée qui se cachait derrière, comment est-ce que c'est articulé, etc., pour essayer aussi de s'inspirer. Et quand on est suffisamment à l'aise, il faut se lancer et puis pas hésiter. Donc, allez jeter un coup d'œil à ce que fait Karine. Nous, on vous retrouve, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Karine, merci. Merci Sébastien, à très bientôt.
Et à bientôt. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. À très vite. Ciao, ciao.